Le passé est votre terrain de jeu. Abstergo. Bonjour, initié. Le département de recherche historique d'Abstergo a lancé de nouveaux projets à Londres. Et nous savons tous les deux que lorsqu'Abstergo se manifeste, les Templiers ne sont jamais loin. Nous pensons qu'ils sont sur la piste d'un autre fragment d'Éden. Mes agents à Londres sont déjà sur sa piste. Bishop, Jacob et Evie Fry sont jumeaux. Incroyable, non? Quand on parle du loup, allume tes caméras, Bex. Je reçois une image. Quand allez-vous livrer le colis? C'est parti. Il y a beaucoup de données. Je mets les initiés sur le coup. T'as l'air bizarre avec une arme. Je suis sûre que ce petit mouchard aura beaucoup à nous dire. J'ai quelque chose. Isabelle Ardan a une réunion ici dans quelques heures. Ça dit pas avec qui. Ça t'étonne, Rebecca? Je sais à qui on va demander de dénicher cette info. Calmez-vous. La mission a été d'extraire des données afin de trouver un fragment d'Éden. C'est fait. Maintenant, j'ai vraiment hâte d'essayer ce nouveau truc. Je n'aime pas vraiment les voir improviser, ces deux-là. On n'a plus le choix maintenant. Il faut foncer. Tu vas chercher le fragment d'Éden en explorant les vies de Jacob et d'Evie Fry, des assassins jumeaux de l'époque victorienne. Ton premier groupe de mémoire génétique est téléchargé. Bonne chance. Frère George, comme je le craignais, Londres est tombée. Trois fois je vous ai écrit implorant votre aide. Trois fois vous m'avez ignoré. Mais je reprends la plume, tant je suis désespéré et à court de solutions. J'ai besoin de vous. Londres a besoin de vous. Vous allez me dire que la tâche est trop vaste, que le temps n'est pas encore venu de frapper. Vous opterez pour la patience. Mais pendant que vous attendez, les Templiers se renforcent. Ils ont nommé un grand maître si rigoureux, si implacable, que l'on croirait Reginald Birch revenu d'entre les morts. Il s'appelle Crawford Starrick, et son ambition est de diriger le monde. Il a étendu son emprise sur la société tout entière. Rien ni personne ne lui échappe. Le jour, ce sont les marchands corrompus et les politiciens véreux qui gouvernent. La nuit, les Blighters, une bande de féroces criminels, fait régner la terreur dans le cœur des citoyens. Son venin s'est répandu dans toutes les activités du commerce. Il s'est tiré profit de chacun, par la tromperie ou par la force. Je crains fort que notre ennemi ne vise la plus haute de toutes les fonctions. Tandis que vous vous repliez sur vous-même, sur vos peurs, Crawford Starrick convoite déjà autre chose. Ses royaumes et ses continents qui restent à conquérir, mais plus pour longtemps. Car le chef de l'ordre des Templiers a bien compris ce que je ne cesse de vous répéter depuis de nombreuses années. Celui qui prend le contrôle de Londres prend le contrôle du monde. Le fer part d'ici. Notre première cible est le patron, un Templier du nom de Rupert Ferris. La seconde est Sir David Brewster. Il a mis la main sur une babiole qui pourrait nous faire perdre cette maudite guerre. Vous croyez que vous serez à la hauteur? À ton avis, George. Bien entendu. Où ai-je la tête? Mesdames et messieurs, les irrésistibles jumeaux Fry. Sur scène tous les soirs à Covent Garden. George, honnêtement, j'ai étudié les plans du laboratoire et j'en connais les issues. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. À portée de main. Je transmettrai tes amitiés à Ferris. Le temps presse, George. On a un train à prendre. Jacob! Evie! Que le credo vous guide, bande de canailles! Le pauvre homme, il en crève de peur. Il ne s'arrange pas avec le temps. Evie Fry, d'où te vient cette insolence? Disons que cette famille,
Jacob. Sois prudent. Combien de temps va-t-il hurler comme ça? Il perturbe les autres ouvriers. Faites que telle et réparez cette satanée machine. Et qu'on m'envoie du laudanum pour ma tête. À votre service. Fermé. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Va-t'en, tu vas le regretter. Personne n'entre ni ne sort, sauf s'il y a un problème. Si j'arrête les machines, cette porte s'ouvrira et je pourrai atteindre Ferris. Inspection sanitaire. Cet homme est mort. C'est toi qui vas mourir. Passe ton chemin, gamin. Tu vas mourir. C'est pas pour que je t'ai faim. Fais ça. Monsieur Ferris, il faudrait emmener cet homme chez l'apothicaire pour qu'il panse ses plaies. Bien. Mais retenez-lui sa paye. Oui, monsieur. C'est terminé. Oh. Et que crois-tu avoir accompli, petit ? Tu as desserré un écrou de la machine de Stark. Un gros écrou, mais ça ne changera rien. Ton grand maître sera vaincu. Les assassins ne deviendront jamais les maîtres de Londres. Le mécanisme que nous avons conçu est en marche depuis un siècle et il tournera encore dans le prochain millénaire. Il est le cœur même de cette ville. Nous arracherons Londres de vos griffes. Depuis Croydon. Tu rôdes dans l'ombre, tel un couard. Tu échoueras. Se sent plus d'attaque.
Oh. Il semble qu'on ait fait un arrêt imprévu. La prochaine fois, j'irai à pied. La cour. Le poste de garde. Le laboratoire de Brewster. C'est là que se trouvera le fragment d'Eden. Plus une trace. Il ne me reste plus qu'à détacher la locomotive pour créer une diversion. Où est-ce qu'elles sont? Hein? Où sont les marchandises de Brewster? Quelle lâche! Qui est là? C'est le moment de faire diversion. L'odeur de la cuisine de Jacob. Je devrais les occuper pendant que j'entre dans le laboratoire. Suivez-moi le long des voies. Reste ici. Et ouvre l'œil. D'accord. Si je vois quelque chose, je crie. J'ai sincèrement besoin de 2 semaines. Vos pratiques plus que douteuses commencent à attirer un peu trop l'attention. Vous avez eu largement le temps d'obtenir des résultats, Sir David. J'ignorais que j'étais censé me comporter comme un vulgaire caniche. Permettez-moi de vous rappeler vos obligations envers l'ordre. Miss Thorne, soyez certaine que je fais déjà tout mon possible. Sir David, je serai de retour demain. Si vous n'avez pas percé les secrets de cet objet, nous verrons comment un caniche survit face à une meute de loups. Adieu. Le fragment d'Eden. Augmentez l'intensité. Cela risque de devenir instable. Vous avez entendu mes sornes, elles exigent des résultats. De vous reposer, Sir David. Il me reste tant de choses à découvrir. N'ayez aucune crainte. Oui, Dieu me protège. Je poursuivrai votre expérience. Vous n'arrêterez jamais ça, Rick. Miss Thorne a déjà trouvé un autre fragment d'Eden, plus puissant que celui-ci. Alors je m'en emparerai aussi. Nous convoitons ce que nous ne pouvons posséder. C'est là notre nature. Ce n'est pas passé loin. Je dois trouver une issue.
C'était quoi cette explosion? Quelle explosion? Evie? Le fragment d'Eden a détruit le laboratoire en explosant. Ce morceau magique de métal hyperbolique? Quelle surprise! Ce n'est pas parce que tu n'as jamais cru à ces fragments que tu Tout dois... Tout s'est déroulé comme prévu, hein? Il y a eu un léger problème. C'est-à-dire? Le labo a explosé. Jacob! Tu as fait dérailler un train. Ah! Il a fait ça. Tiens, tiens. En fait, le train a déraillé pendant que j'étais dessus. Mais j'ai tué ma cible. Brewster est mort, lui aussi. Alors au final, cette mission fut un succès, malgré vos errements. Que fait-on pour Londres? Londres, c'est-à-dire? On perd notre temps ici. Tu sais aussi bien que moi que Londres est entre les mains des Templiers depuis près d'un siècle. Et ils sont encore bien trop puissants. Patience. Mais les Templiers ont trouvé un nouveau fragment. Sœur David est mort. Ils ignorent comment s'en servir. Seul le Conseil pourra nous guider. Une sage décision qu'aurait approuvé votre père. Nous nous retrouverons plus tard à Crowley. Patience, Evie. Et voilà, encore une occasion qui nous passe sous le nez. Qu'est-ce qui nous retient? Londres attend qu'on vienne à son secours. Oublie Crowley! Père aurait voulu que nous écoutions. Oh, père! Tu pourras poursuivre son œuvre à Londres. Libérer les générations futures d'une ville aux mains des Templiers. Tu sais, Jacob Fry, tu n'as pas tout à fait tort. Alors qu'est-ce qu'on attend? Rien. On y va. En route pour Londres! Alors, ça t'a plu? Et ce n'est qu'un petit aperçu du dernier joujou récupéré chez Abstergo. Mais je m'inquiète pour Sean et Rebecca. Je ne crois vraiment pas qu'ils devraient attaquer un Templier. Appel au docteur Grammatica. Allez. Oh, Isabelle! Quelle bonne surprise! Nos amis communs seront bientôt là pour localiser l'artefact. Je vous préviendrai dès que ce sera fait. Parfait. C'est toujours un plaisir. Connard. Ce sont les gens comme vous qui font du tort aux historiens. Je crains de ne pas avoir de temps à vous consacrer, monsieur Hastings. Merci. Vous m'avez mâché le travail, comme on dit. Oh, merde. Ça s'annonce mal. Monsieur Berg, agent d'Acosta, occupez-vous d'eux, je vous prie. Allez! Rattrapez-les! Je n'ai jamais vu autant de gens à la fois. L'océan grouillant de Londres. Comme père nous l'avait décrit. Nous devons trouver Henry Green et préparer notre attaque contre les Templiers. Qui est Monsieur Green, déjà? Tu n'as pas écouté les trois premières fois? C'est l'assassin qui veille sur Londres. Et alors, quoi? Hé, hey, fais attention! Mon pardon, monsieur. Hé hey, reviens ici, sale petit voleur! Eh bien, petit chapardeur, garde-le! Voyons, voyons. Qu'est-ce qu'on a là? Vous êtes sur notre territoire. Où se trouve la boutique de Monsieur Green? Elle était marquée sur la carte de père. Deux assassins, de la même taille, un homme, une femme, âgés de 20 ans à peine, et ces sourires malicieux. Vous devez être les jumeaux Fry. Et vous êtes? Henry Green, pour vous servir. J'ai été navré d'apprendre le décès de votre père. Merci. Que
Que peux-tu nous dire au sujet de Crawford Starrick? Cette demande émane sans doute du Conseil. Il faut libérer Londres. Ses habitants méritent un meilleur avenir. Le ciel soit loué, le Conseil a entendu raison et vous envoie nous aider. Oui. Le ciel soit loué. Malheureusement, j'ai de bien mauvaises nouvelles. Starrick est aux commandes de l'organisation la plus sophistiquée que les Templiers aient créée dans tout l'Occident. Chaque classe, chaque quartier, chaque bande, chaque usine. Toute la ville de Londres est sous son emprise. J'ai toujours voulu être un chef de bande. Dur, mais juste. Nous aurons un uniforme. Je réunirai autour de moi tous les laissés pour compte, sous un même nom. Je le sais, Evie! Nous allons les rallier à notre cause. Oh, comme la fois où tu as rallié tous les joueurs de la taverne dans le fleuve. C'était différent, il m'avait battu au whist. Tout est clair maintenant. Nous nous appellerons les Rooks. Tu te vois à la tête d'une bande? Tu as une meilleure idée? Trouver le fragment d'Eden. Oh. Eh bien, permettez-moi de vous guider. Quand vous voudrez. Regardez ce que Starrick a fait de cette ville. Whitechapel est rongée par le crime. Les enfants travaillent, malgré les lois. Une bande, appelée les Blighters, fait régner la terreur. Et les Templiers tirent les ficelles dans l'ombre. Comme dans chaque quartier, nous devons rendre cette ville aux gens qui l'ont bâtie de leurs mains. Nous libérerons Londres de Starrick. Je vous donne ma parole. Et moi, mes Rooks. Miss Fry, votre passion me réchauffe le cœur. Venez. Retournons à mon échoppe. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Qui sont tous ces gens? Au fil des ans, j'ai noué quelques relations aux quatre coins de la ville. Magnifique! Il nous faudra toute l'aide. Il nous faudra de l'aide? On va rallier les bandes de Starrick. On va saper son emprise. Tu ne vois pas assez loin. Starrick a des appuis dans toutes les sphères de la société. On doit le contrer. Je vois ce que tu veux dire, Evie. On a besoin des Rooks. Tu ne vas pas créer une bande appelée les Rooks? Je crois que j'ai peut-être une idée. Faites en sorte que la police ferme les yeux sur vos activités. J'ai un allié, le sergent Aberlin. On m'a dit que c'était un maître du déguisement. Ensuite, il y a les orphelins. Les orphelins? Les orphelins. Les enfants font d'excellents espions. Clara Audi. Futée, cette petite. Et puis, gardez toujours à l'esprit que Starrick n'agit jamais seul. Il a des chefs de bande dans chaque quartier. Vous ne tarderez pas à les voir, c'est certain. Rexford Kellogg, renommé pour sa capacité à s'évanouir sous vos yeux. Faut-il le faire s'évanouir pour de bon? Je suppose. Un instant. Un Templier qui mérite votre intérêt. Prenez garde. Les rues sont dangereuses. Ne t'en fais pas pour moi, Grigny. Je saurai me défendre. Je ne vois pas Monsieur Aberlin. On aura essayé. Je sais peut-être quelque chose sur l'individu admirable dont vous venez de parler. Que fais-tu? Seigneur, vous voulez me faire repérer? Mais... Sergent Aberlin, à votre service. J'imagine que vous êtes les Fry que Green a mentionnés? Je m'attendais à rencontrer un policier. Et moi, je m'attendais à rencontrer des gens discrets. Henry Green dit que vous pouvez nous aider à passer inaperçus. Voilà ce que je vous propose. Je vous donne les noms de dangereux criminels, et vous, vous me les livrez. Discrètement. Oh, nous serons aussi discrets qu'une vieille dame. Une étrange vieille dame poilue qui ressemble à un policier. Lâche-moi! Ne me donne pas un prétexte de te tuer. Hey! Tais-toi donc! Je suis armé. De quoi est-ce que tu m'accuses? De prélever un loyer à des gens qui ne te doivent pas un sou. Pas un mot, compris? On va pouvoir le mettre derrière les barreaux. Merci. Où est-ce qu'on a mis les pieds?
Ravi de vous rencontrer, enfin. Vous êtes à Babylone, Alley. Ici, nous faisons en sorte de connaître les rues et de permettre aux enfants de prendre en main leur propre destin. Clara, Monsieur Green a dit que nous pourrions nous entraider. En échange de nos services, nous vous demandons une petite faveur. Non, pourquoi pas. Vous m'avez pris presque tout mon argent. Alors, au point où nous en sommes... Un certain nombre d'usines ont recours presque exclusivement aux enfants pour leur main-d'œuvre. Ils font de longues journées, sans être payés, et la plupart n'ont même pas le droit de sortir de l'usine. Ils souffrent énormément. Vous devez les sauver. Une petite faveur. En échange, nous vous donnerons des informations, ce dont vous avez clairement besoin. Hé, hey, juste une minute. Je regrette, on m'attend. Vous acceptez le marché? On accepte. Ravi de faire affaire avec vous. Restez là. Merci, madame. Ah. Je vais t'arracher les oreilles. Silence. N'ayez pas peur. Merci pour votre aide, madame. Ah, vous voilà. Pour prendre le contrôle de Whitechapel, il faut éliminer le chef du quartier. Kellogg a exigé que vous régliez votre différend par un combat entre bandes. Tant pis pour lui. Tenez, je suis certain que ça vous sera plus utile qu'à moi. Oh, eh bien, Greeny, c'est le Noël des assassins? Appelez vos alliés. Monsieur Rexford Kellogg a accepté vos conditions. Et vous attend à la gare de Whitechapel. Il a parié son train sur ce combat. Pas de Kellogg. Peu importe. À l'attaque ! Te voilà. Ça a l'air d'être cassé. Oh, au moins on a un train. Ne nous plaignons pas. Kellogg est mort. Whitechapel n'est plus aux mains des Blighters. C'est le moment de venir grossir nos rangs. Tous ceux qui s'opposent à Starik et à ses sbires seront les bienvenus. Bienvenue chez les Rooks. Je préférerais encore me jeter sous le train que de continuer à faire rouler Bertha pour ce fumier. Kellogg? Il a quitté la gare. Eh ben, qu'il est mignon celui-là. Vous êtes qui? Je suis Evie Fry, mon frère Jacob Fry. Enchanté. Moi c'est Agnès McBean. Un plaisir. Moi qui croyais que j'allais monter en grade. Bon ben, me v'là sans travail. Venez travailler pour nous. Je vous vois venir tous les deux. Vous allez me payer des clopinettes. Oh, je suis sûr qu'on pourra arranger ça. Ah, dans ce cas, je vous présente Agnès et Bertha, la dame et la locomotive. Tout à votre service. Je serai dans la voiture voisine. Un repère sur rail. En voilà une excellente idée.
Oui, ce sera très pratique pour nous. Bon, j'aimerais que nous cherchions la piste de... Jacob, sois sérieux. Je ne ferai rien tant que ceci ne sera pas réparé. Je pense connaître quelqu'un qui pourrait s'en charger. Tu ne me déçois jamais, Grigny. Ah, bon sang! Alec, tu sembles préoccupé. Je n'ai réussi à intercepter que de la ridicule et mauvaise réclame pour un obscur sirop à effet calmant. Le ciel m'en est témoin, Henry. Si le monopole de Starik demeure... Alec, je veux te présenter. Voici mes amis. Evie Fry et son frère, Jacob. Oh, Alexander Graham Bell. Linguiste, inventeur et expert en technique. Alec, j'ai un service un peu étrange à te demander. Peux-tu réparer cela? On dirait que le boîtier est fendu. Oh, ça se démonte. Ma foi, j'aurais pu utiliser ceci pour installer mes fusibles au sommet de Big Ben. Alec installe une nouvelle ligne télégraphique pour notre association de presse libre. Pour contrer la Starik Telegraph Company. Si je parviens à réparer les fusibles des lignes indépendantes de Big Ben, Starik en sera affaibli. Mais nous sommes un peu diminués. Et voilà. J'ai retiré le mécanisme afin qu'il puisse s'adapter à votre brassard. Je vais m'en servir immédiatement. Attends, Jacob. Monsieur Bell, j'aimerais vous aider à placer ces fusibles. Oh, je n'aurais pas l'orgueil de refuser, Miss Fry. Eh bien, nous prendrons ma voiture, si vous aviez la bonté de la conduire. Passe-moi ça. Laissez-moi vous aider. Dites-moi, Monsieur Bell, à quelles inventions travaillez-vous ? Je compte mettre au point un télégraphe phonétique qui ne se limite pas à des traits et à des points, mais qui sera capable d'acheminer la voix humaine. Un télégraphe phonétique ? C'est un peu long comme nom. Si vous appeliez ça téléphone. Téléphone ? Quel nom étrange. Quoi qu'il en soit, comme je le disais, la presse dépend désormais intégralement de la Starik Telegraph Company. C'est pour cela que Monsieur Green vous a demandé de poser une autre ligne. Oui. Qui plus est, d'autres compagnies indépendantes ont vu leurs lignes sabotées. Et il leur est difficile de trouver les fusibles endommagés qui sont... Qui sont tout en haut de Big Ben. Exact. D'autant plus qu'il faut un laissez-passer spécial pour franchir les gardes. Ce ne sera pas un obstacle. Je vais réparer ces fusibles. Merci infiniment, Miss Fry. Je suis désormais en mesure de terminer l'installation de la nouvelle ligne. Si je peux faire autre chose pour vous aider... Oh, certainement. Passez me rendre visite. Oh, j'ai manipulé cette petite invention et j'ai noté la formule pour vous. Ce n'est pas encore parfait, mais grand Dieu, ça marche! Ah, Miss Fry, je montrais justement à Jacob les premiers messages transmis par les lignes réparées. Oh, au fait, vous pouvez conserver ce lance-grappin. Nous en avons déniché un autre pour votre frère. De l'excellent travail. Merci, encore une fois. Tout le plaisir est pour moi, Monsieur Bell. Nous allons pouvoir défendre l'impartialité de l'information et la liberté d'expression. Et la liberté de s'exprimer avec concision et simplicité. Fry, quel esprit caustique. Sur ces bonnes paroles, nous devons partir. Bonne chance à vous deux, et revenez quand vous voudrez. Bon, reprenons le fil de notre mission. Qui est-ce ? Vous voulez dire que vous ne savez pas ? Ce train est vraiment superbe. Miss McBean vient juste de m'en parler. Je m'appelle Ned. Comment allez-vous ? Je ne vous dérange pas plus longtemps. Si vous voulez en savoir plus sur les meilleurs transports publics au monde, vous me trouverez à cette adresse.
Nous devons impérativement trouver le fragment d'Eden. Pas avant d'avoir repris Londres, Astarik. Quelles sont mes cibles? Il est encore trop tôt. Je ne suis pas venu à Londres pour retrouver des babioles. Comprends d'abord la danse avant de te mettre à danser. Oh! Tu comptes vraiment jouer le rôle de notre père? Il le faut bien, Jacob. Evie, la découverte de l'artefact des précurseurs nous apprendra ce que préparent les Templiers. Jacob, j'ai récolté des informations sur les associés de Starik. Tiens. Ce sirop calmant est devenu le seul remède disponible à Lambès. Il porte la marque du grand maître des Templiers. Il est temps d'aller chez le docteur. Je ne crois pas que ce soit la bonne approche. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux bien me le dire? Tu le sais très bien. Chercher le fragment d'Eden. Amuse-toi bien. Moi, je vais tuer des Templiers. Oh. Une autre passionnante nuit de recherche pour Evie Fry. En fait, je me préparais à sortir. J'ai trouvé le fragment d'Eden. Oh, et à quoi il sert celui-là, À soigner les gens? Détourner les balles? Contrôler la population? Ces objets sont dangereux, Jacob, surtout entre les mains des Templiers. Oh, je croirais entendre notre père. J'aimerais bien. Lucy Sorn attend une livraison ce soir. C'est l'experte en occultisme de Starik. Je suis presque certaine qu'il s'agit du fragment d'Eden dont a parlé Sir David Brewster. Ça a l'air amusant. Je peux venir? Si tu t'en tiens à la mission. Juré. Ce que renferme cette boîte a plus de valeur que votre vie et celle de toute votre famille. Est-ce clair? Oui, Miss Sorn. Attention là! Doublez la garde de ce chariot! Miss Sorn, j'ai quelques documents à l'intention de Monsieur Starik. Si vous voulez bien me suivre. Très bien, mais faisons vite. Quoi qu'elle recherche, c'est dans ce coffre. Il y a des tireurs sur les toits. Tu t'occupes d'eux avant que j'atteigne le chariot? Moi qui espérais un défi. Tu l'as trouvé? À vrai dire... Le voilà! Je crois qu'on ferait mieux de partir. Qu'as-tu encore fait? Ce n'est pas le moment de poser des questions! Wow! Qu'est-ce qu'on est censé faire de ces papiers? Les lire! Ça te ferait le plus grand bien! Tu pourrais conduire un peu plus prudemment! Tu mets ces documents en danger! Oh, pauvre document! Tu préférerais peut-être que je m'arrête ici? Vous les cherchez! Tais-toi! Il va falloir sauter! Mais et le coffre? Laisse-le! Saute! Vite! Très amusant. Merci de m'avoir invité. J'ai hâte de recommencer. Bon sang. Restez aux aguets, les gars. Quelqu'un s'en prend à nos petites affaires. La distillerie risque d'être visée. Voilà qui complique les choses. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Quelqu'un! Juste là! Pas effrayer ainsi les respectables gentlemen, jeune homme. Je ne savais pas que fouiner était une activité respectable. Fouiner? Monsieur, je vous assure. Soyez vigilants. Vite, à l'intérieur.
Il s'en est fallu de peu. Vous n'avez pas trouvé de fragment d'Eden, mais ceci est extrêmement précieux. Regardez. Ils disent que les assassins de Londres ont trouvé un suaire. Le suaire d'Eden est censé guérir les plus graves maladies. Si les assassins avaient trouvé ce genre de choses, notre père devait le savoir. Il doit nous manquer quelque chose. Quelque chose que nous seuls pouvons voir. On dirait des indications. Vous ne venez pas ? Le travail de terrain n'est pas mon fort. Nous avons un indice sur un objet des précurseurs. Vous ne voulez pas le retrouver ? Présenté ainsi, comment puis-je refuser ? Vous savez, je pense que ce plan a toutes les chances de nous mener au manoir Kenway. Kenway, le pirate ? Maître assassin et pirate, en effet. Ah, jeune homme, vous m'avez flanqué la frousse. J'ai bien cru que vous étiez l'un d'eux. Mais je comprends maintenant pourquoi vous êtes ici. Pour la même raison que moi, j'imagine. J'imagine. Une mécanique impressionnante, ne trouvez-vous pas ? Datura Stramonium, ou herbe au fou, comme on l'appelle couramment. Ce sirop en contiendrait ? Et de l'opium, diantre ! C'est honteux. Absolument ignoble. Cette approche vous semble-t-elle pertinente, jeune homme ? Trouvez-nous une issue! Vite! Qu'en est-il des autres balles? Je vous laisse deviner! Allez! Chacun pour soi! Charles Darwin, enchanté de faire votre connaissance. Jacob Fry, tout le plaisir est pour moi. Pendant que vous semiez le chaos, j'ai trouvé ceci. Il y est écrit qu'un échantillon de chaque lot est envoyé à l'asile de Lambeth. Ah, je me demande si c'est l'heure des visites. Pas de précipitation, monsieur Fry. Le personnel est fort nombreux à Lambeth. Il serait regrettable d'attirer l'attention. Mais alors, où serait le plaisir ? Tout problème ne peut être résolu à grand renfort d'explosion. Parfois, la discrétion est plus appropriée. Il se fait tard. Je vous retrouverai à l'asile pour y poursuivre nos investigations. Je crois que nous y sommes. Je le pense aussi. Regardez. Je serai dans le bureau. Ne me dérangez pas, à moins que l'un d'entre vous ne parvienne à remettre la main sur le carnet. Voilà qui complique les choses. Vous comptez quand même entrer. Si c'est un repère des Templiers, cela va être difficile. Ne vous en faites pas, nous n'approcherons pas de Miss Lucy. On y va. Je vous l'ai déjà dit, j'en ai rien à voir avec cet article anonyme, monsieur. C'est un mensonge, et vous le savez. Pas au diable si Bill Vesey. Bill Vesey, c'est mon nom et ma réputation que vous avez sciemment terni, monsieur. Mon nom, vous dis-je. Bah, coulez par tous les saints. C'était Richard Owen, un être humain aussi vil que méprisable. Vraiment? J'aurais juré que vous étiez nos amis. Monsieur Owen travaille à l'asile. Il saura qui fabrique ce sirop. Attrapez-le! Attrapez-le! Doucement, là. Quoi que Darwin vous paye, c'est trop peu. Vous rendez-vous compte des risques que vous prenez? Quel risque? Ah, si vous cherchez à m'intimider, gredin, vous perdez votre temps. Je me suis toujours demandé jusqu'à quel point cette voiture était résistante. Et le sirop calmant de Starik. Le sirop calmant? Pourquoi un savant s'intéresserait-il au panacée ? Monsieur Owen, ne mettez pas votre vie en jeu, vous savez quelque chose ! Le docteur Elliotson,
le docteur John Elliotson. C'est lui qui a concocté l'élixir. C'est lui que vous cherchez, pas moi. Par pitié, monsieur, arrêtez cette folie. Alors, était-ce si difficile? Oui. Que cherchons-nous, au juste? Impossible à savoir. Entre nous, j'ai déjà vu plus discret. Il faut croire que Kenway aimait la mise en scène. Histoire des assassins de Londres. Des refuges, des cryptes. Une clé cachée. C'est ça. Vous avez entendu une musique. Mais cette ouverture n'existait pas. Elle se referme. Oui, je le vois. Aidez-moi à la bloquer. Nous devons trouver une autre issue. Une crypte entière renfermant l'histoire des assassins. Et nous allons l'abandonner. Nous la reprendrons plus tard, à moins que nous ne trouvions une meilleure cachette. Nous ? Je croyais que vous n'aimiez pas le travail de terrain. Je pensais plus à votre frère et vous. Je vous aiderai à tout planifier. Depuis le train. Jacob est en maraude. La place est libre. Si vous souhaitez élargir vos horizons. Ma foi, Evie... Ma foi, Evie, je vais y réfléchir. Faites donc. Venez, remontons à la surface. Monsieur Fry, j'ose croire que vous avez eu un entretien fructueux avec Monsieur Owen. Oh oui, nous nous sommes entendus à merveille. J'ai appris que l'inventeur du sirop calmant de Starik était John Elliotson. Le docteur Elliotson ? Voilà un nom qui surgit du passé. Il fut un brillant spécialiste du cœur avant d'être obsédé par la phrénologie et l'hypnose. Cela a ruiné sa carrière. Bien. Comment allons-nous procéder ? Oh, sauf votre respect, monsieur Darwin, je crois que je ferais mieux d'agir seul. Après tout, il serait fort regrettable d'attirer l'attention. Une approche judicieuse. Bonne chance, mon garçon. Oh, monsieur Fry, si vous en avez un jour le loisir, n'hésitez pas à me rendre visite. Où vais-je trouver ce docteur ? Comme vous venez de le voir, l'application d'une pression trop intense entraîne parfois des résultats imprévus. À mon grand regret, je crois que j'ai détruit l'organe. Faites porter un cadavre. Tout de suite, docteur Elliotson.
Le voilà, docteur. Nous allons bientôt reprendre notre expérience. Dans quelques instants, nous comparerons les cerveaux de ces deux spécimens. Et comme tous deux témoignaient d'un fort penchant pour la violence, nous devrions trouver des protrusions similaires sur des portions spécifiques de leur cerveau. Un cadavre avec des bottes ? Voilà venir la fin. Mais seul le commencement occupe mon esprit. Un avenir radieux, nourri du sang des visionnaires. Tout ce que je vois, c'est le sang d'un savant fou. Tu crois vraiment que le sang d'un vieillard arrêtera le grand architecte du genre humain ? Crawford Starrick forge le dessein glorieux de l'humanité. Ce qu'il forge, je le briserai. Tu n'es qu'un enfant. Un enfant qui croit pouvoir chasser les malheurs du monde d'un coup de lame. As-tu déjà réfléchi aux conséquences de tes actes, Jacob Fry ? Ou ton père ne t'a-t-il rien enseigné ? Edson est mort et la fabrication du sirop allemand a cessé. C'est un scandale. Fry entend livrer notre belle ville de Londres aux mains de la populace. Ou peut-être n'entend-il rien du tout. Merci, et se contente-t-il de jouer avec nos vies. L'asile est fermé. Toute l'infrastructure médicale de la ville est perturbée. Cet homme ne comprend décidément pas les conséquences de ses actes. Il s'agit assurément d'un anarchiste. Messieurs. Ce thé est arrivé des Indes ce matin, par bateau. Transporté du port jusqu'à une usine, où il a été emballé, puis apporté chez moi en carriole, préparé à l'office et enfin porté jusqu'à ce bureau. Tout cela par des hommes et des femmes que j'emploie, qui me sont redevables, à moi, Crawford Starrick, de leur travail, de leur temps et même de leur vie. Ils travaillent dans mes usines et leurs enfants feront de même. Et vous venez me parler de ce Jacob Fry. Ce misérable insecte insignifiant qui se prétend un assassin. Vous manquez de respect envers la ville qui œuvre nuit et jour pour que nous buvions ceci. Ce miracle, ce thé. Mes recherches sont sur le point d'aboutir. Notre ville bien-aimée n'aura bientôt plus à souffrir des agissements de ce minable criminel. Mais qu'en est-il de sa sœur, Miss Fry ? Je l'étriperai de mes mains. J'en fais le serment. Un délice. Désolée de t'interrompre, initié. Je veux juste que tu saches que Sean et Rebecca ont échappé à Otsoberg. Berg dirige l'équipe Sigma, assistée de Violette d'Acosta, son experte technique. Il traque et tue des assassins depuis bien trop longtemps. Heureusement, tu n'as rien. Oh, t'inquiète. Ce n'est pas un super soldat des Templiers qui mettra fin aux glorieuses aventures de Sean Danger Hastings. Je m'adressais à Rebecca. En tout cas, la présence de Berg nous confirme que le fragment d'Éden est à Londres. D'après les données de l'initié, il s'agit du Suaire. Les Templiers ont l'air pressés de mettre la main dessus. Ils doivent savoir quelque chose qu'on ignore. Je ne sais qu'une chose. On ne sera pas de taille à affronter l'équipe Sigma. Je m'en occupe. En attendant, faites profil bas. Laissez l'initié poursuivre sa synchronisation des données. Le chemin de fer ne lui suffisait pas. Starrick a aussi acheté une société d'omnibus. J'imagine qu'il veut contrôler les ouvriers du quartier, pour les garder à sa botte. Earl Attaway est la concurrente de Starrick, n'est-ce pas ? Je crois que je vais me lancer dans les affaires. Et vous, Miss Fry ? Qu'allez-vous faire ? J'ai étudié ce que nous avons rapporté de la salle secrète du manoir Kenway. Je compte aller inspecter un certain monument.
Miss Hathaway. Oui, que puis-je... Oh, splendide. Vous êtes là pour me tuer? Je crois. Peu importe, chaque homme a son prix. Ça suffira? Je ne suis pas venu vous tuer. Alors que faites-vous là? Monsieur Starik et la Milner Company vous ont assez mis de bâtons dans les roues. Je suis venu vous faire une proposition. Magnifique. En ce cas, allons en discuter, monsieur... Jacob Fry. Pour vous servir. Vous savez parler aux femmes. Miss Fry, quelle agréable surprise. Bonjour, Clara. Je viens voir comment va Lambus depuis la fermeture de l'asile. Qu'est-ce qui t'amène? Les enfants dont je m'occupe sont malades. Nos toniques habituelles sont sans effet. Je suis venue... Es-tu certaine que tu te sens bien? Bien sûr. Je vais bien, Miss. Clara! Y a-t-il un docteur par ici? Faites-la entrer. Elle s'est évanouie. Elle a dit que les autres avaient pris des toniques, mais sans résultat. Ça, je m'en doute. Depuis le meurtre d'Eliotson, le quartier est envahi par des toniques de contrefaçon. Elle a besoin de soins. Mais sans les médicaments adéquats, son état risque de vite se détériorer. Que vous faut-il? J'ai besoin de matériel. Et beaucoup. Ainsi que des remèdes. Je peux vous aider. Voici la liste. Miss... Fry. Evie Fry. Miss Nightingale. Enchantée. Faites vite. Le temps joue contre nous. Malcolm Milner, le pantin de Starik en personne. Attention, vous autres! Cette marquésine doit arriver jusqu'au dépôt d'Hathaway. Il pense incendier mes omnibus? Si nous lui rendions la monnaie de sa pièce. Pourquoi pas la pièce tout entière? Nous allons utiliser cette marquésine contre lui. Mais j'aurai besoin de ma bande. Vous avez le sens de l'entreprise, monsieur Fry. Je vous laisse carte blanche. Collaborer à nouveau. Prenez rendez-vous avec ma secrétaire et je vous dévoilerai la prochaine étape de notre plan. En fait, je ne travaille pas. Comme ça. Vous revoilà. Il était grand temps, ma foi. J'espère que vous avez apporté ces médicaments. Comment va-t-elle ? Elle se remettra. Abelan, allez, les enfants. Grâce à vous, nous pourrons distribuer de vrais remèdes. Mais cela suffira-t-il à l'avenir? Je vais réclamer la mise en place d'une réglementation. Lambus vous doit beaucoup. Il faut du temps pour changer les choses. Mais je compte bien m'y atteler, Miss Fry. Ainsi que tous les autres. Alors comme ça, les indices que tu as trouvés chez Kenway conduisent au monument. Ta sagacité m'étonnera toujours. Tu ne sais poser que des questions stupides. J'ai pensé qu'en l'absence d'Henry, tu aimerais un peu de compagnie. Je n'ai pas besoin de compagnie. Et je te signale que Monsieur Green enquête de son côté. Oh oui, Monsieur Green. Quelle idée fascinante. Oh, je vous en prie, Monsieur Green, jetez un œil à ce livre et mettez-vous ici, tout près de moi, Monsieur Green. Pas du tout. D'accord, tu n'as peut-être rien de mieux à faire. Mais moi, je défends la confrérie. En es-tu sûr? Que disait notre père, déjà? Ne laisse pas tes sentiments mettre en danger la mission. Exactement. Il se fait tard, je dois partir. Si j'ai une autre idée pour te faire perdre ton temps, je te ferai signe. Et moi, je saurai profiter de ton absence. Monsieur Fry,
Je vous avais dit de prendre rendez-vous. J'avais un moment de libre. Heureusement que je vous apprécie. Moteur à combustion interne. 8 petites syllabes synonymes de beaucoup d'argent. Un train doit livrer ses moteurs à Milner. Emparez-vous-en pour moi et il en sera fort contrarié. Oh, il va me falloir un deuxième train. Et je crois que je connais l'homme qu'il me faut. Marché conclu, Monsieur Fry. Heureusement que je vous apprécie, Miss Hathaway. Milner en transporte là-dedans. Occupe-toi de faire le transfert. Allez, vas-y. Moteur à combustion interne. La fin de la voiture à cheval. L'avenir est là, sous nos yeux. L'avenir, il se négocie à quel prix, selon toi ? Je ne compte pas les vendre. Tu vas les remettre à ton contact ? Ne t'en fais pas, tu seras payé. Qui est cette Pearl, au fait ? Depuis quand tu la connais ? C'est une sorte d'associé. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. La clé de la crypte et du suaire. Je crois que ceci m'appartient, Miss Fry. Donnez-le-moi. Vous le voulez pour asseoir votre pouvoir, mais saurez-vous le contrôler? Et pourquoi vouloir le suaire? Simplement pour en priver les Templiers. C'est typique des assassins. Détenir le pouvoir de la vie éternelle et avoir peur de s'en servir. La vie éternelle. Vous croyez que c'est le secret du suaire? Ce que je crois ne vous concerne en rien. Vous venez avec moi? J'ai d'autres projets. Bon sang! Jacob, darling, venez donc. À notre partenariat fructueux. Et au moteur flambant neuf que j'ai entre les mains. Passons aux affaires. Milner a fui vers la Tamise afin de surveiller ses bacs. C'est tout ce qu'il lui reste. Prêt à y laisser la vie, sans doute. C'est justement ce que je compte lui prendre. Tuez-le. Ah, ce n'est pas votre premier verre de champagne, pas vrai? Le succès est plus grisant que l'alcool, Monsieur Fry. Alors, gardez-m'en un peu. Fracassez-lui le crâne!
Je savais que ce jour viendrait. Monsieur Starik était furieux de perdre les moteurs. Et voilà ma punition. C'est Pearl Attaway qui m'envoie, pas Starik. Alors ils travaillent de nouveau ensemble. Je n'aurais jamais dû me glisser entre Monsieur Starik et Miss Attaway. Les liens du sang sont toujours les plus forts. Comment ça, les liens du sang ? J'étais persuadée qu'il savait que j'appartenais à l'ordre et qu'il était là pour me tuer. Imagine ma joie quand il m'a avoué son véritable but. Un assassin qui aide les Templiers. Ça vaut son pesant d'or. C'est écœurant. Ce sont les affaires, cousin. Cesse de me jeter ces regards noirs, cousin. Tu vas retrouver tes moteurs. Nos omnibus à pétrole vont nous rapporter beaucoup d'argent. Je vais devoir prévoir le rapatriement de ces moteurs à mon usine. J'exige ta présence à Waterloo, afin que tu t'assures que tout se passe bien. Bien sûr. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Dans toutes nos entreprises, cousine. Waterloo Station. Quel dommage. Les bons associés sont tellement rares. Notre association était sans lendemain. Ainsi vont les affaires, Monsieur Fry. Il faut savoir se compromettre pour triompher. Crawford n'appréciera guère la nouvelle de ma mort. Quand il est chagriné, il sait se montrer fort déplaisant. J'ai tant sacrifié de moi-même. Je ne veux pas perdre mes omnibus. Le ciel a les lueurs fugaces de la mélancolie. Dans la foudre qui le fracasse, je te vois qui sourit. Mais quand le temps tombant le masque... Monsieur Starik, j'avais demandé qu'on ne me dérange pas. Le miroir s'est enfui. Si je ne te vois dans la glace, à quoi me sert ma vie ? À quoi me sert ma vie ? Crawford. Périr de la main de cet infâme sauvage.
Il faut le conduire devant la justice. Pearl se moquerait de la justice. Pearl voudrait qu'on la venge. Votre passion est la bienvenue, Miss Thorne. Mais nous nous devons de respecter les rouages juridiques de notre belle société. Sous peine de laisser triompher nos ennemis. Tout se passera dans l'ombre. Miss Fry finira au bout d'une corde. Et j'écorcherai son frère quand il viendra la sauver. Il faudra en passer par là. Ne prenez aucun risque. Renforcez les rangs des Templiers à Londres. Nous devons protéger cette ville lumière. Oui, Crawford. Ce jour-là, nous pourrons ensemble accéder à la crypte pour en percer les mystères. Qu'est-ce qu'on a là ? Boiler, la curiosité de Dredge risque de nous coûter cher. Aujourd'hui, il traînait devant la bourse et posait bien trop de questions sur la banque. S'il découvre mon plan, tu perdras beaucoup plus que ton travail. Signé Plutus. Comme ça, ce Plutus est le banquier de Starik. Hein ? Je parie que Dredge va me conduire à lui. Essaie de ne pas réduire à néant les espoirs de la médecine moderne ou les transports en commun de cette ville. Comme si j'en étais capable. La vie d'innocents est en jeu. Ils ont besoin de cette ville. Ce n'est pas moi qui ai laissé s'enfuir Lucie Sorg. Une erreur que je compte rectifier au plus vite. La guerre des omnibus s'achève dans le sang. Donne-moi un. Et voilà, monsieur. Il faut en finir avec cette bienveillance stupide envers les étrangers et se concentrer sur ce dont Londres a vraiment besoin, une main de fer qui tirera tout le monde vers l'excellence. Les champions de l'industrie dictent le marché du monde. Trouve-toi un travail, espèce de parasite! Les meilleurs gardes sur le marché. Ça ne te sauvera pas, Dredge. Je vais te passer les menottes! Faites-vous des affaires à la banque? Jacob, c'est moi, le sergent Frédéric Aberlin. Freddy. Sergent. Je suis incognito. Il va y avoir un vol à la Banque d'Angleterre, j'en suis certain. Un vol ? C'est une forteresse. Les gars du poste croient que j'ai perdu la tête. Ils riraient moins s'il s'agissait de leurs économies. Qui est derrière tout ça ? C'est confidentiel. Oh, allons, Freddy. Je peux t'aider. Imagine un peu les gros titres. Les voleurs pris sur le fait, Aberlin avait raison. Ma foi, j'imagine que je peux vous en toucher deux mots. Tous les trimestres, une succursale de la banque se fait détrousser, et ce n'est jamais la même. Les voleurs sont fournis par... Coca Merchants. Merci pour le tuyau, Freddy. C'est Sergent. Et je garderai l'œil sur vous. À quoi bon avoir une clé si on ignore ce qu'elle ouvre? Je crois que Miss Thorne est dans la même situation. Henry! Monsieur Green, tenez, la voilà. Elle ouvre un coffret appartenant à la reine, conservé à la Tour de Londres. C'est une forteresse. J'imagine que vous n'y avez pas d'amis. Si, Evie. Un garde. Si vous parvenez à entrer. Je reviendrai quand j'aurai le suaire. Merci de votre aide. Bon, très bien. Bonne chance. Evie. Si je savais de quelle cargaison il s'agit, je pourrais suivre ces armes jusqu'à leur propriétaire. Excellente idée, Freddy. Le suaire est dans un coffre associé à la clé. Trouvez-le et apportez-le-moi. Halt ! Vous ne faites pas partie de la garde. Combien êtes-vous ? Dites-le-moi. Hello. Il ne me reste plus qu'à attendre qu'on vienne les récupérer. Le ciel soit loué, vous êtes là. Cette Lucie Thorne a posté des Templiers partout.
déguisé en garde. Je crois pouvoir passer pour l'un d'eux assez longtemps pour vous faire entrer. Lucy Sand veut me capturer. Si elle me voit enchaînée, elle relâchera sa vigilance. Vous saurez vous montrer convaincant? En faisant semblant de vous avoir capturé? Je ferai de mon mieux, madame. S'ils nous voient de trop près, ces Templiers comprendront que je ne suis pas l'un des leurs. Dans ce cas, gardons nos distances. J'ai attrapé l'assassin! Ouvrez la porte! Annoncez à Miss Sorn que j'amène l'assassin! Ha! Vous l'avez eu! Bravo! Les armes sont là. On va procéder comme d'habitude. Monsieur Toupenny ouvre le coffre, on le vide et on dépose l'argent dans son entrepôt. Attention, les gars vous attendent. À la Banque d'Angleterre. Plutus est Toupenny. Tes confrères n'arrivent pas à la cheville de Bissan. On finirait par te débusquer. Dites-le-moi. Regardez qui on a pris! Je l'ai trouvé dans l'enceinte, madame. Je me suis dit que vous voudriez lui parler. Soyez la bienvenue, Evie. Êtes-vous prête à me dire où est le sueur? Comme il vous plaira. Je le trouverai sans votre aide. Et ensuite, je vous étranglerai avec. Surveillez-la. Donc, vous aurez fini par triompher. Mais qui avez-vous gagné? Le sueur n'est pas ici. Cet objet a vocation à guérir et non à asseoir votre pouvoir. Pas le mien. Le nôtre. Vous êtes si désespérément borné. Vous accaparez les pouvoirs sans oser vous en servir, alors que nous améliorons le sort des hommes. J'espère que vous ne trouverez jamais le sueur. Vous n'avez aucune idée de son vrai pouvoir. Dites-le-moi. Non. Notez ceci. Puis cachetez-le jusqu'à nouvel ordre de ma part. Miss Sorn, vous m'avez fourni le moyen de pérenniser l'avenir de Londres. La ville vous en remercie. L'ordre vous en remercie. Je vous en remercie. Mais le sueur ne peut avoir qu'un porteur. Je dissous par la présente notre partenariat. Une rente vous sera versée pour vos vieux jours. N'attendez rien d'autre de moi. Puisse le père de la sagesse vous guider. Oui, qu'y a-t-il? Miss Thorne, monsieur. Que veut-elle? Je suis navré, monsieur. Elle est morte. Et la clé? Où est la clé? On n'a trouvé aucune clé sur son corps, monsieur. J'aurai ce sueur, même si je dois retourner ciel et terre. Brûlez cette lettre. Eh bien, qu'en est-il? Je crois que ça ne va pas te plaire. Oh, allons. J'ai hérité de la solide constitution des Aberlin. Toupenny est en train de piller la Banque d'Angleterre. Le gouverneur de la banque? Je crois que je ferais mieux de m'asseoir. Ce n'est pas le moment, cette crapule doit être en train d'accéder au coffre. Peu importe comment vous entrerez, je ne veux rien savoir. Bien sûr. Mais sais-tu comment on peut entrer? Cette banque protège les réserves d'or de l'Angleterre. C'est une forteresse soigneusement gardée. Il y a bien le directeur, Monsieur Osborne. Il est le seul à accéder librement au coffre.
Vous le trouverez près de l'entrée. Ah oui, j'oubliais. Un homme est toujours de faction. Il surveille la porte du coffre comme un vautour lorgne sur une charogne. S'il vous voit, il la refermera. Le capitaine des gardes, Gus Howard, connaît très bien Tupeny. Il est dans le coup. Monsieur Fry, faites preuve de discrétion. Le seul moyen d'inculper Tupeny est de le prendre sur le fait. Ne le mettez pas en danger, rien de théâtral. Il s'agit de la Banque d'Angleterre. Si vous avez des ennuis, je serai dans l'atrium. Déguisé. Tupeny ne quittera jamais ce coffre. Où est Tupeny? Pitié! J'ai une famille! Il est au coffre, à regarder ses précieux tableaux. Tout va bien se passer. Vous ne volerez plus un seul shilling au peuple de Londres. Ces idiots dilapident leurs économies. Nous sommes les experts de l'investissement. Rien ne serait créé ou amélioré, rien ne sortirait de la boue sans notre sublime clairvoyance. Nous sommes les créateurs de l'avenir. Ils en profitent à hauteur de ce qu'ils veulent. C'est leur ville, pas la vôtre. Sans nos investissements, cette ville n'existerait pas. Pour le passeur des morts. Au meurtre! Au meurtre! Le Solo et la police, nous sommes sauvés! Arrêtez-les tous! Pour avoir volé le peuple d'Angleterre! La Banque d'Angleterre est fermée jusqu'à nouvel ordre. Notre monnaie est la risée de tous. L'inflation galope et Tupeny a été victime d'un meurtre brutal. Pourtant, le Parlement ne fait rien. La loi ne passera pas, monsieur. Disraeli ne sera bientôt qu'un souvenir. Tout est arrangé, je le jure sur mon honneur. Votre honneur ne pèse pas bien lourd. Comment osez-vous, monsieur ? Les pauvres de cette ville ont assez souffert. Je viens d'accorder à tout mon personnel une augmentation pour contrer l'inflation. Quoi ? Si je le pouvais, j'approvisionnerais tout Londres. Alors que vous, vous vous contentez de rester assis dans votre club à faire des promesses que vous ne pouvez honorer. Votre famille, en revanche, je me demande combien elle paierait pour que votre nom ne figure pas dans les journaux. Autant que Disraeli offrirait pour vous faire châtrer. Mais soyons généreux. Pourquoi se limiter à une chose quand on peut tout avoir? Alors, qu'en dites-vous? Dois-je passer à l'acte? C'est bien ce que je pensais. Le Parlement doit être libre de gouverner, sans entrave. Me suis-je fait comprendre? Je ne vous retiens pas. «
Cher monsieur Starik, hommes engagés, attaque demain. La mort de Disraeli repoussera sine die la loi sur la collusion. Gladstone sera nettement plus docile. Puisse le père, etc., etc., signé B. Ainsi, Starik se mêle aussi de politique. Je dois m'infiltrer au Sinopin Club afin de découvrir qui est ce B. Sois discret aux abords du Parlement. Ne suis-je pas toujours discret? Ton grand numéro à la Banque d'Angleterre a failli faire s'effondrer la livre sterling. Je ne l'aurais jamais permis, ma chère sœur. Mais en parlant d'effondrement, qu'en est-il de cette clé qui n'ouvre rien? Henry est en train de l'étudier. Je suis sûre que nous trouverons la crypte. Ta confiance t'honore, Evie. Vraiment? À nous deux, B. Qui es-tu et à quoi joues-tu? La loi sur la collusion est une étape cruciale de la réforme de l'État. Si le parti majoritaire peut imposer les résultats d'élections contestées, comment pourrions-nous nous prétendre libres? Si nous cédons un par un nos droits au judiciaire, nous ne pouvons plus guère nous prétendre libres. Cela vous ressemble bien, Gladstone. Vous préféreriez vous jeter dans les rouages du progrès plutôt que renoncer à un iota de pouvoir. Disraeli, vous déraisonnez, et c'est un euphémisme. Je ne vous laisserai pas traîner les privilèges parlementaires dans la boue sans rien faire. Non, certainement pas. Préféreriez-vous retrouver le joug de la tyrannie? Tant que nous y sommes, monsieur Gladstone, nous pourrions brûler la grande charte et rendre la couronne aux Stuart. Comment osez-vous? Ce n'est pas parce que je souhaite que le gouvernement reste à l'écart des juges que vous pouvez vous permettre de m'insulter. Je ne le tolérerai pas. Dans ce cas, je rendrai votre requête caduque. Monsieur, je ne vous salue pas. B, je présume. Ravi de te rencontrer. B. B? Je m'appelle Herbert. Alors pourquoi suis-tu le Premier ministre? Pour l'argent, monsieur. Quelqu'un m'a payé pour... Petite vipère. C'est du vol pur et simple, voilà ce que c'est! Que s'est-il passé? Votre frère! Qu'a-t-il encore fait cette fois? Les journaux n'en ont que pour le meurtre de Tupeny. Et, comme si ça ne suffisait pas, quelqu'un a volé les plaques de la planche à billets. Est-ce aussi du fait de Jacob? Ça m'étonnerait. Les gens se méfient des banques. Et de la monnaie, les prix vont grimper. Il y aura des émeutes, les usines partiront en Amérique, où la main-d'œuvre est moins chère. En un mot, le déclin de l'Angleterre. Jacob, tu t'es vraiment surpassé cette fois. Attendez, et si j'allais remettre les plaques à la banque? Eh bien, ça nous aiderait. Mieux encore, cela mettrait un terme aux rumeurs sur le meurtre de Tupeny. Et la confiance dans l'économie serait rétablie. Comptez sur moi. L'Angleterre échappera au chaos. Oh, et si cela ne vous gêne pas, pourriez-vous détruire tous les faux billets que vous trouverez avant qu'ils ne soient mis en circulation? Bien sûr. Oh, nom de Dieu! D'où est-ce que tu sors, toi? Eh bien, je suis né à Crowley, mais peu importe. Pour qui tu travailles? J'ai jamais su son nom. Un vieux à grosse moustache, avec une sorte d'uniforme, de hussard peut-être. Que veut-il? Pitié, il va me tuer! Et une chute de 3 étages va te briser les jambes et t'envoyer à l'hospice. Tu ne préfères pas lui échapper? C'est pour demain! Mes gars doivent attaquer la voiture du Premier ministre sur le chemin du Parlement. Parfait. Ah, les journaux racontent qu'il s'agissait d'une fausse nouvelle. Plus d'émeutes. La confiance dans les banques est revenue. Je vais pouvoir passer une nuit tranquille. Miss Fry, je ne vous remercierai jamais assez. Ravi que nous ayons évité la catastrophe, sergent. Mais c'est plutôt Jacob qui devrait me remercier.
trop tard pour une visite. Il va falloir que j'entre dans cette voiture. Voyons, que signifie tout ceci? Et qui diable êtes-vous? Jacob Fry, monsieur le Premier ministre. Votre nouveau garde du corps. Personne ne m'a informé d'un nouveau garde du corps. Qui est votre commandant? Laisse-le parler, Dizzy. Madame, mes excuses. Mais on a appris que votre vie était menacée. Et les forces de police sont faites au plus vite. Une menace? Quel genre de menace? De ce genre. Si vous voulez bien m'excuser. Plantez-lui une lame dans le dos. Mais enfin, que signifie tout ce pas si vite, Votre Excellence? Hey, revenez ici avec le Premier ministre. C'était Gladstone, ce ne peut être que lui. Bon sang, Gladstone, ville crapule, vous me le paierez. Merci. Que comptez-vous faire à propos de Gladstone, jeune homme? Je vous assure, madame, que Gladstone est étranger à ceci. Mais il a essayé de tuer mon mari. Nous nous occuperons de Gladstone, mais peut-être pouvez-vous m'aider dans une autre enquête, madame. Un gentleman ayant des liens avec le Parlement, âgé, un uniforme de cavalerie, une grosse moustache. Vous avez l'air d'un individu à qui rien ne résiste, Miss Fry. Ma foi, je l'avoue, c'est le cas. Et vous connaissez bien les quartiers pauvres de notre ville. Assez, oui. Magnifique. Il se trouve que j'aimerais visiter The Devil's Egg. Si vous m'y escortez, je serai ravi de vous aider dans votre enquête. Ça me semble une très mauvaise idée. Alors, c'est entendu. Présentez-vous à Downing Street demain soir à 8h précises. Adieu, Mr. Fry. Adieu, Mr. Fry! Vous voulez bien me rappeler où nous allons? J'ai trouvé une lettre du prince consort dans les papiers de Lucy Sorn. Elle porte le même emblème que votre clé. Et elle date de 1847. 1847 ? L'année même où le prince a lancé des rénovations à Buckingham Palace. Il fait bâtir une crypte pour le Sueur. Et comme aucun plan du palais ne fait mention de cette fameuse crypte secrète... Votre Altesse, puis-je vous présenter Miss Evie Fry ? Miss Fry, le Maharaja du Lip Sing. Un plaisir, Votre Altesse. Mon ami, les plans que vous cherchez ont été déplacés. Déplacés ? Par qui? Crawford Starrick, ou l'un de ses employés. Oui, je savais que ce nom vous serait familier. Je sais où ils se trouvent, mais ils sont sous bonne garde. Il en faudra plus pour m'arrêter. Je m'en doutais. Madame. Mr. Fry. Prête à prendre l'air? C'est l'heure à laquelle Devil's Acre prend vie. Je crains de devoir annuler notre rendez-vous. La pelouse grouille de journalistes friands de scandales. Et je ne peux me montrer en compagnie de quelqu'un d'aussi. Je vais les chasser. Rejoignez-moi quand ils sont partis. Oui, oui. Mais soyez courtois, voulez-vous? La presse est extrêmement chatouilleuse et sensible à toute... violence à son endroit. Je vous promets de ne pas trop les secouer. Silence, Desmond. Vas-y, ma jolie. Oui, c'est ça. Oh, quel endroit! Donnez-moi le bras, Mr. Fry. Et voyons ce que nous réserve The Devil's Acre.
votre chien a l'air fâché. Oh, Desmond va bien. Mais il n'aime pas beaucoup les étrangers. Ni les chats. Regardez ces deux-là. Oui, je crois qu'il... J'ai été mariée deux fois, Mr. Fry. Je sais reconnaître ce genre de choses. Que Dieu les bénisse. Quelle sorte de viande vend cet homme? Mieux vaut ne pas le savoir. Pourquoi? Est-ce une chose affreuse? Ah, du rat peut-être? Je ne veux pas être indélicat en votre présence. Mais on appelle aussi ça du mouton qui aboie. Nous y voilà. Ce bon vieux wanton pun. Donc ceci est une pinte, n'est-ce pas? Remarquable. Joli chien. Nous aurons besoin d'un plan. Je peux m'arranger pour attirer l'attention des gardes pendant que vous entrez. Oh, vraiment? Pour vous, Evie, j'en serais ravi. Bien. Je trouverai quelqu'un qui saura où sont ces documents. Et nous nous retrouverons à bord du train. Sois prudent. Ah, bon chien, Desmond. Rends-moi le clébard. Tu changeras de ton quand on t'aura retrouvé. Allez, Desmond, on va te ramener à ta maîtresse que j'ai laissée seule et sans défense dans l'un des pubs les plus dangereux de Londres. Mais si vous n'avez jamais dit à votre père ce que vous pensez de lui, comment peut-il le savoir? Je n'avais jamais vu ça comme ça. Au fond, on veut tous qu'on nous aime. Très juste. Tenez, prenez un bonbon. Ah, Desmond et Mr. Fry, j'aimerais vous présenter. Oh, désolé, je n'ai pas retenu votre nom. John LeBranc. Enchanté. Je crois que nous ferions mieux de rentrer. Bonne idée, Mr. Fry. En avant, Desmond. Vous êtes des orphelins de Clara? Ils ont capturé Monsieur Henry. On n'a rien pu faire. Mais quand même, j'en ai mordu un. Ils l'ont emmené dans une voiture rouge. Ils n'iront pas loin. Une des roues avait l'air prête à se détacher. Ça se voit sur les traces. Elles ne sont pas droites. Ce doit être la voiture. Je l'ai trouvée. Maintenant, Henry. Je ne peux rien vous dire à propos de la voiture, mais il s'est passé de drôles de choses par ici aujourd'hui. Toutes sortes de gens louches, et je pèse mes mots, qui traînent dans le coin, armés jusqu'aux dents. Je n'aime pas ça. Oui, ils l'ont sorti de cette voiture. Fin sous qu'il était. Ils l'ont porté dans la cour de l'église. Peut-être qu'ils cherchaient un endroit où dessouler. J'en sais rien. On n'y est pas allé de ma porte. Ça risque de prendre un moment. Ils ont envoyé quelqu'un chercher les plans des rénovations. Vous les avez? Ils vous ont fait mal? Tout va bien. Partons. Peut-être pouvez-vous me parler de l'homme en tenue de Lussa? Oh, bien sûr! L'individu que vous cherchez est Lord Cardigan. Il est d'un ennui mortel. Il assène à tous ses prouesses militaires. Savez-vous où je pourrais le trouver pour l'aborder discrètement? Je crois, oui. Il est en ville en ce moment, à faire campagne contre la loi sur la collusion. Allez, c'est bien. Vous le trouverez sans doute au palais de Westminster, mais soyez prudent. Le gouvernement ne pourrait se permettre un nouveau scandale. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Votre arrêt, madame. Mon arrêt. Oh, quel joli langage. Oh. Merci pour cette très belle soirée, Mr. Fry. Je dirais le plus grand bien de vous à Dizzy. Oh, oh oui.
aller montrer ça à Miss Nightingale. Je dois trouver la crypte et le suaire avant Starik. Retournons voir le Maharaja. J'irai parler au Maharaja, aller faire examiner votre blessure. Je suis navré que ma capture ait contrarié vos plans. Vous seriez plus en sûreté dans le train. Même si vous trouvez la crypte, vous ne pouvez pas vous rendre seul à Buckingham Palace. Je ne serai pas seul. On se retrouvera dans le train, Monsieur Green. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mot de passe pour voir Lord Cardigan ? Du calme. J'ai ce mot dans ma poche. Allons, messieurs. Je croyais que nous formions un front uni contre cette loi perfide. Balaclava. Bon sang, c'est une évidence. Mot de passe. Balaclava. Allez-y. Maintenant, discutons de ceci en... Grand Dieu ! Mais qu'est-ce que... Oh, tu vas te taire. Aura été privé d'une fin glorieuse sur les champs de bataille de Crimée pour périr de la lame d'un assassin sous les lambris du pouvoir. Vous avez fini. Réjouis-toi, canaille. Tu as réussi ce qu'aucun canon russe ou tigre des Indes n'est parvenu à accomplir. Empare-toi de ton trophée. Étouffe-toi avec. Oui, mais dis en plus sur Balaclava. Adieu. Adieu, douce Britannia! Tes lendemains seront bien ternes sans le comte de Cardigan. Dieu protège la reine et le 11e hussard! Quelle plaie! Bien ? Oui, à part l'escadron de la mort qu'on a aux trousses. Les renforts arrivent. Mais pourquoi tu prends autant de risques ? Ce n'est pas à toi de combattre les Templiers. J'ai eu un camarade, le fils de notre chef. Au début, je ne l'aimais vraiment pas. Tout le monde le traitait comme s'il était le meilleur d'entre nous. À mes yeux, ce n'était pas justifié. Il ne s'impliquait que dans ce qui le touchait personnellement. Je me trompais sur lui. On est devenus amis. Il a vécu un enfer. Et à la fin, il nous a tous sauvés. Alors je crois que... il est trop tard pour des excuses, mais je ne sais pas. Je peux essayer de suivre son exemple. Tu es un bon assassin. Waouh, la vache ! Bonjour. Ça faisait trop longtemps. Kalina ! Bon sang, je ne t'avais pas revu depuis qu'on a fait sauter ce labo à Paris. Ah, il y a eu beaucoup d'explosions et tu as hurlé comme un bébé. Bishop m'a dit. Kotzoberg est ici. Je vais le tuer pour toi. Génial, super nouvelle. Maintenant, si ça ne te gêne pas de monter la garde, je vais me laisser mourir. Repose-toi. Un dur combat nous attend. Sean et Rebecca sont en sûreté. Mais on compte toujours sur toi pour trouver le suaire. Une invitation à dîner. Il peut bien avoir envie de dîner avec toi. Maxwell Ross. Le chef des Blighters ? N'y va pas. Bien sûr que non. Je crois que Monsieur Ross m'attend. Des armes ? Non, merci. J'ai les miennes. On vous attend sur scène, monsieur. Par ici. Ah ! Notre invité d'honneur est arrivé. Bien, assieds-toi. Cela fait un moment que je t'observe.
J'ai trouvé tes coups d'éclat contre le grand Crawford Staric. Plutôt flamboyant. J'ai éliminé tes hommes les uns après les autres, ça ne te rend pas furieux? Bien au contraire. La surprise est le piment de la vie. Pour Monsieur Staric, c'est une autre histoire. Je me noie dans les consignes, c'est d'un ennui mortel. Et si nous unissions nos forces pour la battre? Ma foi, je ne sais pas trop. Mon ami, si notre association ne te permet pas de faire du mal à ce cher Staric, je t'autorise à envahir ce théâtre et à me tuer de tes petites mains. Qu'est-ce que tu y gagneras? La chance de m'amuser un peu avec l'homme le plus courageux de Londres. Marché conclu. Louis, ma voiture. On y va? Il doit partir de cette gare une grosse cargaison d'explosifs destinée à Staric & Co. Et tu veux la voler? Moi? Non. Lâche-moi, espèce de... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tais-toi, je t'en prie. Qu'attends-tu de moi? Je veux juste que tu alimentes le foyer. D'accord, je vais t'aider. Ne me fais pas de mal. Aurais-tu l'amabilité d'envoyer un peu de vapeur? Staric sera bientôt à genoux. Chapeau bas, mon ami. Mes excuses, je dois t'abandonner. Passe me voir à l'occasion. Jacob. Il est magnifique, n'est-ce pas? Je nous ai prévu une nouvelle sortie en grande pompe. Vraiment. Louis! Quelle odeur atroce. Je ne doute pas que tu apprécies le potentiel de cet endroit. Cet atelier appartient à Staric. Place la dynamite et réduisons-le en cendres. Ensemble. Ah. Tout est prêt. Parfait. Il est temps de passer à l'action. Reculez! Hey! Attends! Mais pourquoi? Il y a des enfants là-dedans. Jacob, mon ami. Staric fait travailler des enfants dans ses manufactures. Notre devoir est de détruire ses moyens de production. Mais pas comme ça. Pourquoi pas? Je veux pouvoir faire tout ce qui me plaît. Bientôt, tu comprendras ce que signifie être libre. Libre comme moi. Allumez, les gars! Non! Mais qu'est-ce qui te prend, Jacob? Je refuse de jouer à ton petit jeu, Ross. Je vois. On ne joue plus. Dépêchez-vous! La journée est finie! Il était mort.
cadeau de Monsieur Ross. Je dois vous dire, Monsieur Fry, que quand Ross en veut à quelqu'un, beaucoup de gens viennent à en souffrir. Mon très cher Jacob, il semble que nos aventures appartiennent désormais au passé. Cette période à tes côtés fut brève, mais elle laissera une empreinte durable. Je te souhaite bonne chance dans tes futures entreprises. Bien à toi, Maxwell. Post-scriptum, j'organise un spectacle ce soir. Tout Londres sera là. Tu trouveras 6 juin ton invitation. Scène 2, tenez-vous prêts! C'est mieux. Merci beaucoup. Le goût du sang dans la bouche. J'espère que vous avez apprécié cette soirée, mesdames et messieurs. Du moins autant que moi. Avant notre finale, j'aimerais rendre honneur à tous ceux qui sont venus nous rejoindre ce soir pour célébrer la vie et la mort. Allez, criez-les! C'est à toi de jouer, Jacob, mon cher. Brûlez! 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 Quelle soirée! Elle restera gravée dans l'histoire. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Quoi? Briser le cou d'un jeune corbeau entre mon pouce et mon index, tailler en pièces des gens que tu dis innocents, laisser au monde sa divine folie? Parce que j'obéis toujours à la même devise. Pourquoi pas? L'ordre a enfanté le désordre. La mer monte pour engloutir les pubs et éteindre les réverbères. Notre ville va périr. Tupeny a échoué, Lucy a échoué. Brunel, Elliotson. Pearl.
tous ont disparu dans la nuit. Mon tour est venu. Les assassins ont ouvert nos maisons à la fureur. Les hommes sont devenus des monstres qui déferlent sur nous, prêts à mordre. Notre civilisation doit survivre à cet assaut. Nous ferons table rase du passé. Nous chasserons les ténèbres. Londres doit renaître de ses cendres. Le fragment d'Eden se trouve sous Buckingham Palace. On a tout ce qu'il nous faut. Commençons à préparer notre infiltration. Attends. Mieux vaut une confirmation visuelle. Si on se lance, on doit être totalement sûr. On n'aura qu'une chance avant qu'Otsoberg ne nous tombe dessus. Pour une fois, je suis d'accord. Nous prendrons position près du palais, mais nous attendrons la synchronisation des données génétiques avant de foncer. Tout dépend de toi, initié. Tu es en retard. Starik va passer à l'action. Le fragment d'Eden est quelque part à Buckingham Palace. Qu'il le prenne. Je t'ai vu à l'œuvre dans toute la ville. Tu devrais peut-être te fier à mon jugement. J'ai tué les lieutenants de Starik. Et toi, tu as fait quoi? Oh, demandons à Henry, tu veux bien? Je n'ai fait que réparer tes erreurs. À trop se hâter, on arrive plus tard. Arrête de citer notre père. C'est de Platon. Et désolé si pour une fois il n'est pas question de destruction. Père avait raison, il n'a jamais approuvé tes méthodes. Ça suffit, il est mort. Assez. Je viens d'avoir des nouvelles de mes espions. Starik compte voler le fragment d'Eden ce soir, au bal du palais, avant d'éliminer les chefs de l'église et de l'État. On y retourne au nom du bon vieux temps? Ce sera la dernière fois. D'accord. Et lui, il arrive là-dedans. Miss Fry? Donne-lui tes armes. Nous ne pouvons entrer avec. Vous êtes radieuse. Je ne pourrai jamais aimer une telle. Oh, je n'en doute nullement, William. Monsieur, madame. Vos cartons. Je crois que j'ai garé le mien. Monsieur, madame, je vous en prie. Sans invitation. Mon bon... C'était quoi ce bruit? Rien. Juste les voix dans ta tête. Elles sont tellement plus plaisantes que la tienne, Evie. Charmant. Oui, je sais. Je vais chercher le fragment d'Eden. Comme tu voudras. Les plans se trouvent dans le salon de dessin blanc. Je parie que Jacob doit être encore en train de voler une voiture. Ou de pousser la reine dans l'escalier. Vous voilà! Oh. Il y a quelqu'un à qui je meurs d'envie de vous présenter. Ta-ta-ta-ta-ta! Venez avec moi! Oh. Votre Majesté, puis-je vous présenter, Miss... Evie Fry. Le gâteau est absolument divin. Assurez-vous d'y goûter. Je dois vraiment y aller. Miss Fry, puis-je avoir cette danse? Monsieur Starik, vous vous êtes bien amusé, mais la partie est finie. Ah. Écoutez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le temps est une chose merveilleuse, Miss Fry. Il efface toutes les peines. Là. Je vois.
Je vais tuer les imposteurs et libérer les autres. Nous faisons des faux pas sur la musique. Mais à la fin du morceau, tout recommence. Le problème, c'est que tout le monde oublie et réitère ses erreurs encore et encore. Les gens apprennent. Vraiment. Débarrassons-nous de lui! Je peux tout affronter. Tout le monde autour de nous ne répète-t-il pas les mêmes pas? Mais si un homme pouvait se remémorer la danse, connaître le temps, il pourrait tout changer pour le meilleur. J'ai assez dansé. Cette danse est presque finie. Bientôt, les gens oublieront tous ceux qui sont ici, sur cette terrasse. Comme ils vous oublieront, vous aussi. Quand la musique cessera, Miss Fry, vous périrez. Et moi, je triompherai. Le secret de la valse, c'est de savoir diriger du bon pied. Ah ! Oh, Seigneur ! Tout va comme vous voulez, ma chère. Puis-je vous venir en aide ? À mon tour de vous faire danser. Voilà, c'est là où est la crypte. Vas-y ! Quoi, c'est tout ? Tu n'as pas de plan ? Il est trop tard pour ça. Je te rejoins dès que j'ai pu sortir de ce carcan infernal. Je t'exploite, je t'ai averti, mon garçon. Mais toi, tu n'écoutes jamais. Requiescat in pace. Jacob! Tu ne sais pas comment utiliser l'artefact! Laissez-moi rectifier cette erreur. Après vous, je me... Jacmir, approche. Londres mérite aucun pouvoir, aucun... Vous allez quitter ma ville. Henry! Le fer ne vous protégera pas!
maintenant! Tu es prêt? Je suis prêt. Ensemble! Londres périra sans moi. Tu te prends trop au sérieux. J'en aurais fait un paradis sur terre. Cette ville appartient à ses habitants. Vous n'êtes que l'un d'eux. Mais je suis à la tête de l'ordre. Tu l'étais, Starik. Tu l'étais. Dommage que notre association s'arrête là. C'est mieux ainsi, n'est-ce pas? Tu comptes porter le suaire et diriger Londres? Quoi qu'il apporte, il le prend à d'autres. Tu continuerais à vieillir sans moi. Tu ressemblerais à père. Je préfère encore mourir. Tu vas le porter? Après tout ce que tu as réparé, tout le chaos que j'ai provoqué, je n'en serais pas digne. Jacob Fry a des doutes. Qui te fait chanter? C'est George? Il n'oserait pas. Tu m'as manqué. Toi aussi. Tu crois qu'on pourrait repartir à zéro? Je n'attends que ça. Je commence à penser que père n'avait pas réponse à tout. Henry. Le monde est vaste. Et Londres en est le centre. Mais pas le centre du monde. Je suis venu au plus vite. Ne vous en faites pas, je vais regagner le train. Est-ce que... ai-je mis en danger la mission? Henry, vous l'avez sauvé. Je crois que votre place est sur le terrain. Avec moi. Une voiture! Bien joué, Freddy! Mr. Aberline, je vous en prie. Votre Majesté. Miss Fry. Vous vous connaissez? Je ne te l'ai pas dit? Mr. Aberline m'a tout juste appris que vous trois m'aviez sauvé la vie. Est-ce bien vrai? C'est vrai, Votre Majesté. Evie Fry, approchez. Et vous? Mon frère Majesté, Jacob Fry. Et voici Monsieur Henry Green. Mr. Fry, Mr. Green, à genoux. Levez-vous. Je vous élève tous trois dans l'ordre de la jarretière. Merci, Votre Majesté. Si vous êtes aussi doué que le dit Mr. Aberline, je risque de faire appel à vous. Le sergent Aberline exagère toujours, Votre Majesté. Nous nous reverrons. Oh, Miss Fry. Majesté. Si vous changez d'avis, je crois qu'on vous a gardé du gâteau. Père serait fier de toi.
Dame Evie Fry. Sir Jacob Fry. Le premier arrivé au train. On le tient. Il est sous le palais. Allons-y. Apportez le sueur au docteur Grammatica, sur le champ. L'équipe Sigma est déjà là. On arrive trop tard. Qu'est-ce qu'on fait ? Les tuer serait de loin le moyen le moins productif d'arriver à nos fins. Tue-les tous. Contact ! Couvrez-moi ! Cette sale petite ordure a essayé de me tuer, Berg. Faites-lui la peau ! Us, them that told us lies of their bravery, them that preached of progress and put us in the poorhouse, them done the horrid murder on bloody stages, them that loudly crowed their humility, lords and dames that sung in the chapels on a Sunday. All quiet now, their mouths are stopped up. Arrête de bouger! They lie flung in rats and make no sound. Underground, underground, leave them. La mission avant tout! Bien sûr! Those who fought for something better, those who taught by how they live, loved ones taken long before their word was done. Underground. Galina, il nous faut une sortie! Sécurisez la crypte, toute cible valide! On doit y aller! Maintenant! Compris. Le sueur. Oublie ce maudit sueur! Reste avec moi, Bex! Je t'en prie! On y va! Tu as fait du bon travail, initié. Nous reprendrons le sueur le moment venu. Au fait, le mouchard qu'on a posé dans l'ordinateur d'Isabelle a capté quelque chose avant qu'il le détruise. Je te le passe. Je suis navré pour ce souk. En quoi le sueur peut vous aider à créer un autre clone ? En rien. Quand on enveloppe le sueur autour d'un corps, il évalue les dégâts et le répare à l'échelon cellulaire. Vous ne comptez pas fabriquer un clone, mais recréer un précurseur à partir de rien. Exactement. Le projet Phoenix vient de faire un grand bond en avant. J'appelle Alan Rickin pour lui annoncer la bonne nouvelle. Noël arrive avant l'heure. Eh oh ! C'est moi. J'ai le sueur comme vous me l'avez demandé. Mais j'ai peur. N'aie pas peur. Tu as fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas peur de vous. J'ai peur pour vous. S'il découvre ce que vous faites. Tu as joué ton rôle, mon instrument. Je te sauverai. Je vous sauverai tous. Take a look around lively old London, buzzing crowds, we sweat and we revel, red-cheeked shouts and songs in the flicker of the gaslight. Eager blighty bursts from the cobblestones, racing, climbing, blooming fertility, born from secret.
secret seeds that are scattered in the nighttime. London is fed upon the meat of the dead. They're one shallow inch below the town. Underground, underground, leave them underground. Them that whispered dreams that only poisoned us, them that told us lies of their bravery, them that preached of progress and put us in the poorhouse. Them done horrid murder on bloody stages, them that loudly crowed their humility, lords and dames that sung in the chapels on a Sunday. All quiet now, their mouths are stopped up by mud. They lie flung in rags and make no sound. Underground, underground, leave them underground. Those who fought for something better, those who taught by how they lived, loved ones taken long before their work was done. Underground, underground, leave them underground. Underground, underground.